1, 2, 3. Dingue. Ah oui, c'est tellement c'est une opportunité incroyable de voir des films et de pouvoir avoir la chance de confronter ton avis avec les autres, avec d'autres que tu connais pas. Je pense qu'on voit un film en tant qu'être humain. Ton affect rentre complètement en ligne de compte et c'est ça que demande un film, c'est ce à quoi fait appel un film. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu regardes le film avec la responsabilité qu'on te donne. C'est-à-dire qu'on donne quand même des prix qui sont des prix soit de rayonnement, on met en lumière un réalisateur, une réalisatrice ou un artiste, un technicien, une technicienne. Et donc il y a un côté, tu me donnes toute ton attention quand même à ce que tu regardes, en sachant que tu peux avoir un poids dans la vie d'un artiste, quoi. On voit beaucoup de films en une journée, par exemple. Hier, on a vu 15 films. Ouais. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Il y a un moment donné où ça devient difficile de garder cette acuité comme que décrit Noémie. Partir en voyage assis au même endroit, rester vraiment, découvrir des cultures, des pays différents. Enfin, c'est quand même ça qui est super gratifiant, c'est d'avoir l'impression quand même de traverser tout d'un coup sur place une quantité de décors, de paysages, d'imaginaires. Et puis d'être confronté aussi à la vision tellement différente parfois sur le même film d'autres personnes, quoi. Dire « Ah non, sérieux, t'as vu ça ? Mais moi, pas du tout !» Et ça, c'est assez gay, quoi. Mais sur 20, je pense pas qu'on ait vu spécialement des grosses thématiques sorties. Ouais, quand même, oui, c'est vrai, mais la famille, ça reste quand même l'endroit... La famille, le rapport aux parents, j'ai l'impression quand même que c'est un des endroits qui a été le plus abordé dans la sélection. La violence aussi. La violence, mais toujours avec des familles qui étaient dysfonctionnelles. Les familles homosexuelles, je trouve aussi. Oui, les premiers rapports. Là, je me dis, tiens, on parle de ça. Et ce sont des gens jeunes qui l'ont fait. Il n'y a pas eu de grosses discussions. D'ailleurs, on nous a dit qu'il y avait déjà eu des fois des jurés. C'était beaucoup plus compliqué avec des gens qui ne partageaient pas du tout la même opinion. Ici, on a pu se mettre assez vite d'accord. Mais elle est là, mais elle est ici. Non, vraiment. En fait, je voudrais surtout remercier le FIF de la confiance qu'ils nous ont accordée. Je trouve que c'est ultra gratifiant. Ouais, et que aussi. C'est une c'est responsabilité qui est en même temps grande et agréable à prendre. Si, je trouve que c'est très bien exprimé. Je suis vraiment très contente de cette confiance que le FIF nous a faite. Déjà, on est sur un groupe WhatsApp. C'était le mot de la fin.